Σελήν, είσαι μαζί μας σήμερα στην Αθήνα. Για ποιους λόγους έχεις έρθει εδώ στη σύνοδο του Alter Summit? Mais je trouve que c'est une occasion importante, enfin, c'est vraiment un moment important pour les mouvements syndicaux, les associations à travers toute l'Europe, de se réunir pour, autour d'un texte, autour d'un projet politique, autour de revendications pour faire changer la politique européenne. Βρίσκει ότι είναι πολύ σημαντικό γεγονός η σύνοδος του Alter Summit, διότι μαζεύονται συνδικάτα και οργανώσεις από διάφορες χώρες καθώς και κινήματα για να δημιουργήσουμε μαζί ένα κοινό σχέδιο για μια εναλλακτική Ευρώπη. Parce que pour l'instant, les politiques qui sont prises, les décisions qui sont prises au niveau de l'Europe instaurent une austérité qui est en train de détruire tous les droits sociaux, tous les droits des travailleurs dans toute l'Europe. Διότι αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι πολιτικές λιτότητας και οι πολιτικές που παίρνουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καταστρέφουν τα εργασιακά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα σε όλη την Ήπειρο. Et donc c'est nécessaire en tout cas pour les mouvements syndicaux, les mouvements sociaux de se réunir pour justement faire changer ça et se réunir parce qu'on vit les mêmes choses, on a des solutions, on a des alternatives et il faut pouvoir qu'on se mette ensemble pour justement mettre la pression et faire changer les choses pour un, récupérer nos droits qu'on perd. Améliorer en tout cas la vie au niveau européen, avoir une meilleure redistribution des richesses, des meilleurs services publics, des sécurités sociales qui puissent justement prendre tout, couvrir tous les besoins des citoyens. Και για τον λόγο αυτό βρίσκονται εδώ τα κινήματα και τα συνδικάτα από όλη την Ευρώπη, έτσι ώστε να συζητήσουν όλοι μαζί, να συζητήσουμε όλοι μαζί τις εναλλακτικές προτάσεις μας και να καταφέρουμε να ξαναπάρουμε πίσω ό,τι χάσαμε τα τελευταία χρόνια σε εργασιακά δικαιώματα, καθώς και να αλλάξουμε στο σχετισμό δυνάμεων, έτσι ώστε να ξαναπάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Donc voilà, nous on est là avec la FGTB parce que voilà, on trouve que c'est vraiment important de faire, d'être part, de prendre part en tout cas à ce mouvement parce que voilà, je pense que c'est, on est vraiment à un moment de l'histoire et je pense qu'on le voit en Grèce et dans les pays du Sud, on ne peut pas continuer comme ça. Οπότε βρίσκεται εδώ σε μια αντιπροσωπεία της FGTB, το Βέλγικο Συνδικάτο, την Συνομοσπονδία, τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Βελγίου, διότι πιστεύουν ότι με την παρουσία τους εδώ μπορούν να δώσουν το λιθαράκι τους στην κατασκευή και το χτίσιμο αυτής της νέας Ευρώπης. Donc, voilà. Pour nous, c'est important d'être là et on espère en tout cas qu'à travers les revendications, le texte du manifeste qui a été travaillé par toutes les organisations membres de l'Alter Summit, on puisse le porter, que des politiques, des hommes et des femmes politiques le portent aussi pour essayer d'avoir des actes concrets à un niveau politique aussi, ce qui est la différence avec les forums sociaux, c'est-à-dire qu'on veut vraiment faire changer les choses, bouger les choses à travers l'Alter Summit et à travers les liens et les connexions qu'on a ici. Άρα βρίσκονται εδώ εφόσον θέλουν να αλλάξουν την πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη ως ένα κομμάτι του Alter Summit και με το μανιφέστο των λαών που έχει υιοθετηθεί από το Alter Summit βάζουν και αυτοί το λιθαράκι τους σε αυτό το κοινό στόχο. Η δεύτερη ερώτηση, Σελήν, είναι αν μπορείς να μας περιγράψεις την κοινωνική και πολιτική κατάσταση στο Βέλγιο, ποια είναι η κατάσταση του κινήματος στο Βέλγιο και των συνδικάτων, καθώς και αν η κρίση έχει αγγίξει το Βέλγιο και τους εργαζόμενους στο Βέλγιο. Mais donc il faut savoir que oui, la crise touche la population en Belgique. Alors je crois que c'est connu dans le monde entier, la Belgique a mis du temps pour avoir un gouvernement. Et donc en fait, pendant toute la période où on n'a pas eu de gouvernement, on n'a pas eu de mesure d'austérité, puisqu'il n'y avait personne pour décider.
Et comme on a une sécurité sociale assez forte, elle a permis justement de maintenir, on est dans un système capitaliste, et cette sécurité sociale a permis en tout cas, grâce aux allocations de chômage par exemple, de garder un certain niveau de vie au niveau des gens qui perdaient leur boulot. Λοιπόν, η κρίση έχει αγγίξει προφανώς το Βέλγιο. Όπως γνωρίζουμε, λέει, το Βέλγιο είχε περάσει μια περίοδο κυβερνησίας όπου εκείνη την περίοδο δεν μπορούσαν να περάσουν μέτρα λιτότητας εκείνη την περίοδο. Και παρόλο που βρίσκεται σε καπιταλιστικό σύστημα, στο σύστημα που ζούμε τέλος πάντων, η κοινωνική ασφάλιση κατά κάποιο τρόπο ήταν σε ανεκτά επίπεδα, καθώς η ασφάλιση και τα επιδόματα ανεργίας ακόμα μπορεί να τα πάρει ο κόσμος. Et puis on a eu un gouvernement et là ils ont commencé à instaurer les mesures qui sont prônées dans les recommandations européennes, les mesures d'austérité, donc c'est-à-dire blocage des salaires. Enfin, les mesures d'austérité sont partout les mêmes, donc c'est on touche aux salaires, blocage des salaires, on touche aux pensions, allongement des carrières. Suppression des allocations au niveau des allocations d'insertion au niveau des jeunes. Donc les jeunes qui n'ont pas d'emploi recevaient une allocation d'insertion. Ici en 2015, il y a plus ou moins en Wallonie 30 000 jeunes qui vont perdre, jeunes et moins jeunes, qui vont perdre leur allocation. Et donc voilà, c'est des coûts budgétaires dans les services publics. Dans tout ce qui est les services aux citoyens. Άρα από τη στιγμή που απόκτησε η κυβέρνηση στο Βέλγιο, ξεκίνησαν και τα μέτρα λιτότητας με περικοπές σε μισθούς, με μέτρα λιτότητας που έχουν πλήξει τις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και ό,τι έχει να κάνει με την νεολαία, που αυτή τη στιγμή υπολογίζουν το 2015 επιπλέον 30.000 νέοι άνθρωποι δεν θα έχουν πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση. Et donc voilà, par rapport à ça, les syndicats réagissent évidemment, réagissent sur plusieurs fronts et il y a une mobilisation qui s'installe. Enfin, qui est installé déjà depuis quelques temps, puisque en fait, depuis que le gouvernement est là, on a les mesures d'austérité qui tombent. Et donc, on essaie vraiment de mobiliser les travailleurs, les citoyens, au fait que voilà, ces mesures d'austérité, on peut faire autrement. Et on n'a pas besoin d'austérité pour diriger ce pays. On n'est pas, on ne veut pas, on ne veut pas continuer comme ça. On sait qu'en Grèce, enfin nous, en tout cas, on le dit. Je pense que les Grecs le disent aussi. La Grèce est un laboratoire des mesures d'austérité. Et ce qui s'est passé en Grèce, ils l'appliquent, en tout cas au niveau européen, ils l'appliquent aussi dans les autres pays. Et on n'a pas envie de ça. On veut un autre projet de société. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή που πάρθηκαν μέτρα λιτότητας στο Βέλγιο, τα συνδικάτα αντίδρασαν και έχουν κάνει μεγάλες κινητοποιήσεις, διότι πολύ απλά τα συνδικάτα θέλουν να μην ζήσει ο Βέλγος λαός αυτό που έχουμε ζήσει στην Ελλάδα με τα μέτρα λιτότητας τα τελευταία χρόνια, και να μην περάσει στο Βέλγιο τα αποτελέσματα του πειραματόζου που ζήσαμε εδώ στην Ελλάδα. Donc voilà, je pense que la lutte et la mobilisation au niveau belge est présente. Je pense qu'il faudra continuer parce que au niveau d'un changement politique, c'est pas pour tout de suite. Je pense qu'ils vont continuer. Ils ont le projet gouvernemental est assez clair et donc. Je pense qu'on va, au niveau des travailleurs, je pense qu'on va trinquer, qu'on va avoir des coupes claires, en tout cas dans tout ce qui est social, dans tout ce qui est droit des travailleurs.
Donc voilà, je pense qu'il va falloir, continuer le combat et mobiliser de plus en plus pour faire comprendre aux gens que non, il n'est pas nécessaire d'avoir de l'austérité ou de la rigueur, ce qui est la même chose, pour pouvoir avoir, je dirais, un projet de société, pour pouvoir que chaque citoyen puisse vivre dans un projet de société où on peut s'épanouir, où on a droit à des services publics, des services sociaux pour un bien-être en fait. Συνεχίζουμε λοιπόν τον αγώνα και τις κινητοποιήσεις έτσι ώστε να μην περάσουν τέτοια μέτρα λιτότητας στο Βέλγιο. Και επειδή φαίνεται ότι η κυβέρνηση θέλει να φέρει νέα μέτρα λιτότητας, τα συνδικάτα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα στο Βέλγιο και θα αντισταθούν σε οποιοδήποτε νέο μέτρο λιτότητας και παίρνουν πρωτοβουλίες για, για το χτίσιμο συμμαχιών που θα φέρει αλλαγές. Donc voilà, je ne sais pas si, comment terminer cette interview, mais je pense que ce soit au niveau des pays, au niveau belge ou au niveau ici de l'Alter Summit à un niveau européen, je pense qu'il faut vraiment travailler sur la création d'une solidarité entre les travailleurs, entre les mouvements, entre les syndicats, les mouvements sociaux, et vraiment essayer de faire un... de bien comprendre que les mesures d'austérité qui sont appliquées dans les pays sont décidées à un niveau européen et c'est pas n'importe qui les décide, c'est les gens pour qui on vote dans les pays qui décident ça aussi. Il y a un problème au niveau de la Commission, il y a un problème de démocratie parce que ces gens-là, eux, ne sont pas élus et donc il faut vraiment avoir une réflexion au niveau européen sur un changement radical des structures européennes et avoir une réelle démocratie européenne. Κλείνοντας, να πω ότι χρειάζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ένα μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης και πρακτικής αλληλεγγύης αντίσταση στα μέτρα λιτότητας μεταξύ των λαών και ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη δουλειά ενημέρωσης, μια καμπάνια ενημέρωσης έτσι ώστε να καταλάβει ο κόσμος ότι ο ίδιος έχει τη δύναμη και ο ίδιος εκλέγει τους εκπροσώπους του σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνουν μεγάλες αλλαγές σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών έτσι ώστε να ξαναγυρίσει να ξαναγυρίσουν οι λαοί της Υπήρου, οι λαοί της Ευρώπης στο προσκήνιο. Merci.